Bon bah ça y est les copains, ça pue la fin des vacances. Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que pour ceux qui sont partis en vacances, vous avez passé de bonnes vacances. Bah, ce fut le cas pour moi, en tout cas, je reprends lundi et ça me fait bien suer. Petite vidéo promo aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. J'ai reçu un produit de chez Craft Geek et ce produit a reçu le prix de l'innovation au NAMM 2024. Autant vous dire que déjà, ça m'a un peu interpellé. Quand Craft Geek m'a contacté, bon, j'étais pas très chaud, je voulais regarder un peu ce que c'était et puis j'ai creusé un petit peu et je me suis dit effectivement, c'est pas mal. Je vais vous montrer ça. Déjà, pour ceux qui connaissent ma chaîne, moi, je bossais avec ce type de pupitre. Là, j'ai la même chose, pardon. C'est une petite boîte de transport comme ça qui est juste hyper parfaite. Il n'y a rien à dire. Donc, vous avez le stand dedans et plein de petits matos. C'est juste génial. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le stand qui va s'ouvrir. On débloque ici. On ouvre ici. On tire vers le bas. Tac, tac, c'est réglé, c'est posé. Et c'est fini. Voilà, la hauteur, il n'y a pas besoin de se faire chier avec des molettes. Après, je ne sais pas si on voit bien. Si on voit bien, voilà, on ouvre ici. On va le mettre un petit peu en arrière. Hop, on ouvre ici. On fait comme ça et comme ça. Bon, vous allez me dire, c'est un stand tout à fait banal. Pas tout à fait. Bon, je l'ai remonté un peu parce que j'étais pas cadré. Donc, dans la pochette, on a aussi ce petit outil-là. Alors, vous allez me dire, ouais, Mathieu, ça existe depuis longtemps. Pas de souci, ça existe depuis longtemps. Donc, c'est un outil qui permet de tenir le smartphone. Donc, si tu es chanteuse, guitariste et que tu as besoin d'un smartphone pour avoir tes partoches ou n'importe quoi, bah, tu peux le mettre ici. Je n'ai pas de téléphone sous la main, si. Donc, tu mets ton téléphone comme ça, voilà. Et vous allez me dire, ah, c'est trop con, j'ai rien pour mettre, parce que moi je bosse sur tablette. Bon, alors il y a un petit bouton derrière, je vais le retirer, hop là, poser ça là, tu viens tirer dessus, hop, tu agrandis et tu mets ta tablette. Franchement, c'est hyper bien foutu. Honnêtement, c'est hyper bien foutu. Bon, c'est réglable dans tous les sens, hauteur, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la sacoche? On a aussi ce petit boîtier là. Alors ce petit boîtier là, il est vachement bien aussi parce qu'il va se mettre là-haut. Alors regarde, regarde, tu mets le petit boîtier là, tu l'ouvres comme ça, hop là, hop, un petit peu, hop, ça s'ouvre comme ça, hop, hop, et tu viens le mettre ici. Voilà, tout ça, ça tient dans la pochette que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, bon, la pièce est hyper sombre ici. Et je galérais parfois avec mon pupitre, donc c'est pour ça que je l'ai aussi pris en fait. Je me fais plaisir parce que je vais m'en servir énormément. Donc vous mettez votre petite lampe et là vous pouvez éclairer votre partoche. Alors attendez, il y a deux, voilà, il y a deux puissances de lumière et vous pouvez éclairer votre partoche, ce que vous voulez, avec la petite lampe qui est là. Et ça met 4 secondes à se mettre en place, c'est hyper bien. Bon, dans la pochette, je sais pas si je l'ai dit, on a une petite sangle aussi pour le transport. Alors, et je vous l'assure, c'est hyper costaud, hyper robuste. Sinon, je vous le présenterai pas, hein, clairement. C'est vraiment un bon produit. C'est pour ça que je vous le montre, parce que je trouve ça vraiment bien. Et regarde, regarde. Hey, tu rentres en Guitar Extreme Magazine. Hop là, je te mets là, là. Metal Shred, regarde. Là, tu as un truc qui est vachement bien aussi. Regarde, tu fais ça. Hop, tes petites pinces que tu peux régler. Hop là. Et ça tient tes partitions tout seul. Et hop, on va bien voir la différence. Hop là. Que demande le peuple? C'est vachement bien. Regarde, tu le descends et tout sans te faire chier avec des molettes. Sans déconner. Et les mecs qui font des cafpons pour les chanteuses, pour les guitaristes et tout, franchement, ce truc, il est vraiment bien. Ça prend pas de place. Et on se fait pas chier avec le gros plateau comme ça. Donc moi je dis oui, je dis bravo Craft Geek. Donc là celui-là, il est pour ma gueule, c'est clair et net. Bon, maintenant on va regarder la montre, hein, un peu comme aux Jeux Olympiques, temps de démontage. Vous êtes prêts les gars? Hop, 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 hop. On défait sa petite lampe, on l'éteint, hop, on la range, tac, on ferme ça, on défait le petit merdier là pour tenir le téléphone, on le range dans sa sacoche, ça on le replie dans ce sens là, ça on le remonte
Hop, on remonte ça. Tac. Et tu viens verrouiller. Hop. Et ça, moi je ne l'ai pas remonté assez. Hop là. C'est bon. Ça, tu le mets là-dedans. Hop là. Une minute. Alors les petits avantages, c'est que le petit boîtier lumière fonctionne soit à pile ou soit vous mettez des piles rechargeables et vous pouvez les charger en USB. Comme ça, ça évite de bouffer des piles et d'en acheter et de les foutre à la benne. Donc ça, c'est nickel. Et le gros avantage pour les guitaristes nomades, voilà, qui font, je sais pas, qui jouent dans la rue, dans les caves cons, comme ça, bah, c'est que bah, ça prend pas de place et que c'est hyper léger en étant hyper robuste. C'est pas de la publicité pour dire voilà, en fait, je vais vous dire, hein, ils m'ont filé le produit. Mais je touche pas d'argent pour présenter ce produit. Par contre, j'ai une affiliation. J'ai une affiliation et vous avez un code promo. Voilà. Alors, je crois que j'ai 15%. 15% avec le code MAT qui va s'afficher là. Je crois que c'est 15, faut que je vérifie le mail. Mais voilà, vous avez un petit pourcentage. Et puis moi, j'ai une petite affiliation comme ça. Bah, quand vous achetez le produit, bah, j'y touche un petit truc aussi. Voilà, c'est parce que ça m'a coûté cher les vacances, j'ai cassé une voiture. De location. C'est pas dans mon habitude de faire des promotions. Voilà. Outre mesure, quand j'en fais, généralement, c'est des produits que j'ai achetés ou des trucs que je trouve bien et que je vous donne le plan. Là, pour le coup, c'est vraiment une affiliation. Vraiment, ils me l'ont envoyé et je suis super content qu'ils me l'aient envoyé. Dernière chose, les amis, n'oubliez pas que le zapping reprend bientôt, reprend le 5 ou 6 septembre. Et sachez que le 20 et le 21 septembre, je serai au Muscadès à Valette. Avec Saillant Guitare et je représenterai les produits de Franck de chez Pirate Custom Guitar. Donc genre un stand et tout, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun problème, ça me fera super plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao les gars, bisous les filles.